Bonjour les amis de Radio Camino depuis l'Irlande. Une petite anecdote qui illustre parfaitement ce principe qu'un d'entre vous m'a rappelé, c'est que quand on rayonne l'amour, on reçoit de l'amour, mais à l'inverse, quand on rayonne des choses un petit peu plus sombres, eh bien, on ne reçoit rien du tout en retour. Et hier, j'étais dans le petit village de Churchtown, j'avais été visiter le parc du château, et là je rencontre un monsieur qui rigole un petit peu, on parle, et puis il me propose de me conduire jusqu'à mon étape du soir, qui est Liscarroll. Et il fait beau, voilà, je suis de bonne humeur, je dis « Oh, ben non, écoutez, voilà, je vais marcher ». Et en sortant du parc, je réalise qu'il est déjà 19h30, que j'ai encore 8 km et que bah, j'arriverai à la nuit tombée, ce qui est peu lent parce que voilà, j'aurai pas le temps de faire à manger. Et puis je commence à râler, je commence à me maudire. Et vraiment, il y a toutes les zones d'ombre qui s'expriment en moi et qui viennent dire « Tu es nul, tu sais jamais dire oui, c'est quoi qui te guide, t'as vraiment rien d'autre dans la tête. » Enfin bref, et je commence mais vraiment à me flageller d'une façon inimaginable. Là, tout d'un coup, gros orage qui tombe sur moi, là, vraiment. Et bon, voilà. Et puis les voitures passent, je lève le pouce de dépit en disant bah, tant pis, je ferai du stop. Évidemment, personne ne s'arrête jamais. Et puis à un moment, j'ai craché tout mon venin sur moi-même, c'est bon. Et je dis bon, maintenant j'arrête de râler. Et bien, devinez ce qui se passe à ce moment-là. Il y a une voiture qui passe derrière moi et qui s'arrête et qui me propose de me conduire à Liscarroll sans que j'aie dû demander. Et ça, c'est juste incroyable. J'avais vraiment en moi cette sensation de basculement d'énergie, de l'énergie noire à l'énergie, on va dire, blanche ou jaune, ou voilà, de belles couleurs. Et paf, les choses se font. Et donc, c'est incroyable, en fait, comme on rayonne quelque chose qui attire ou qui repousse les autres. C'est ça, une des belles leçons du chemin. À bientôt, les amis. Ciao.